auriez dû venir, c'était une pure déchirure. Le chanteur a décapité un poulet avec ses dents. Non, pas seul poulet, c'est un sacré concert. Ce lobotomie a vraiment voulu du pâté. T'imagines si je remplaçais leur guitariste, ce groupe entrerait dans la légende. C'est clair que ce serait meilleur cette espèce de rideau de cheveux en jean slim. Ah bah ouais, quand tu sais pas gratter, tu fais des headbangs et une tronche de méchant. N'empêche, faudrait qu'ils assurent grave pour sortir de mon ombre. Reste à savoir si ils survivront à ton ego démesuré. J'y peux rien si j'en impose. Les dieux scandinaves m'ont fait ce don. Alan, c'est pas bientôt fini ce bordel? Je suis obligé, ça marche plus. Tu nous emmerdes avec ta foutue Game Boy. T'as bon, on dit un Game Boy. Et puis comment je fais si je gagne une vie ou si je ramasse une étoile? Laisse tomber. Moi, ce qui me gonfle, c'est la fille qui insiste pour venir boire un verre et qui passe sa vie sur son portable. C'est pas de ma faute, je me harcèle de texto depuis hier soir. Encore un fanboy faire pour du chantage au suicide? Bon, oh, t'as voulu. Oh, laissez les pieuvres tranquilles. J'en sors en boucle de plein de mecs différents. Faut changer de numéro parce que là, je vais craquer. Depuis hier soir, tu dis? T'as une idée de qui ça pourrait venir? Je sais pas. Qu'un ex a balancé mon numéro sur un forum de détraqués. Ça se trouve, il y a un gars qui l'a écrit sur le mur des chiottes. Comme je l'ai fait avec celui de Jax. Quoi? Bah, tu te plais que personne t'appelait quand t'as changé de sonnerie. Putain, il y a des mecs qui me font partager leur démoulage de cake à cause de toi. De rien. Bref, tu veux pas le rapprochement? Ni. Ni. Ta photo, la couille en moins, le sitaké, maintenant les textos? Ce serait le même enfoiré. Ou la même enfoiré. Nos textes sont similaires, donnez-vous assez immature. Et faites à distance en se posant sans données perso. Il n'y a plus de pile. Cela ne peut m'aider. Bud! Alan aussi s'est pris un coup de pute. Bah, à part lui voler ses jouets. Dans la logique, il est autant sur la liste que tous nos potes du Rock Unit. Genre, y a un mec d'ici qui ose s'en prendre au Jax et à ses potes. Mais je vais le pulvériser, ce connard. Mais non, t'enflamme pas, on n'a pas encore de piste sérieuse. On devrait peut-être demander à Sid et Bud s'ils ont pas vu quelque chose. Ils sont bizarres en ce moment. Yep, Sid est plus cool ces derniers temps. Tu peux plus voir ta sale gueule de poney ici. Bon, peut-être pas. Et Bud essaie même plus de me draguer. C'est vexant. Intéressant. Va falloir la jouer fine avec Mr. Cocktail. Il va pas nous lâcher des infos comme ça. Vous venez? Ok. Tiens. Merci Bud. Buzzer. Les jours sont comptés. T'as une minute? Pourquoi faire? Quelques questions à te poser. Quel sujet? Ton statut de barman, t'es au courant de tout ce qui se passe ici, non? Ouais, c'est pas fou. Tu vas en venir. Est-ce que t'as fait attention à quelqu'un ou quelque chose d'inhabituel récemment? Je sais pas si t'as remarqué, je travaille dans un bar métal. Pour moi, vous êtes tous inhabituels. Non, mais t'as dû voir un truc qui dénote. Quelqu'un qui a rien à faire ici. Ça se monnaie, ça. Je connais ton fait pour Jody. Tu me dis ce que je veux savoir, il est à toi. La source de vos ennuis, c'est trois gros nazes avec leur sapringard. Je vois de qui tu parles. En passant, vous avez affaire à des geeks. Merci pour le tuyau. Mais attends, comment tu sais qu'on a des ennuis? Tu l'as dit toi-même, je sais tout ce qui se passe ici. En fait, avant que tu aies raconté à tes potes, tu sais que si le numéro il est faux, je me vengerai. Je suis plus à ça près, Bud. Ça marche pas pour de vrai. MacGyver, c'est un menteur. Fred est jamais aussi. Bon alors? Vous voyez la fille en jupe écossaise, le gars à la cravate orange et le blague échappé de Matrix? Je vois pas. En tout cas, ils vont pas draguer. Un jour, faudra t'adresser à autre chose qu'à tes fans. Eh, c'est plus difficile qu'une ébarrette, Jerry's Cortège. Ça y est, je me rappelle. Les trois têtes de con qui jouent aux cartes. Commandez-moi une bière, je les poque et je reviens. Alan, amène-toi. Au-delà de 50 gars, j'aurais peut-être besoin d'un coup de main. Super, Jax. Tu sais même pas où il se planque. Et d'après Bud, attendons-nous à recevoir des tonnes de pizzas et autres couvicieux dans le genre, car nos emmerdeurs, c'est des putains de geeks. À quoi les pizzas? Sans deck, on se fait emmerder par ces baltringues. Pourquoi? On va aussi vous chercher maintenant. Et hormis Alan, vous en connaissez des geeks? Eh, hey, on se calme. Il écoute du heavy metal, c'est pas complètement un geek. Dites, vous pourrez demander à Chrome. Ils sont peut-être passés dans sa boutique de jeux vidéo. Pas con. On va y aller tout de suite. Une dernière chose. Toi demain, n'oublie surtout pas de changer de numéro. Ouais, ok.
promène.